Et donc, salut à tous, c'est Cléon1325 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Minecraft. On est encore une fois sur My Perfect World et on va construire un nouveau bâtiment tout de suite. Donc, on va repasser en vue intérieure et on va se diriger vers la zone où on a le cinéma, le McDo, la gare, pour construire ici un petit bâtiment entre le musée et le tribunal. Tout simplement parce que c'est un petit peu le seul endroit dans la ville où il reste de la place maintenant. Ce côté-là, il commence à être assez plein. Donc peut-être que je rajouterai un petit truc dans ce coin-là pour mettre à côté de la route pour faire la liaison. Mais sinon, je pense que ce côté-là, c'est fini et qu'il va nous rester juste 2-3 bâtiments de ce côté-là de la rivière. Et après, on aura terminé la ville. Donc aujourd'hui, petit bâtiment ici. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de faire ce que je fais d'habitude en plaçant le plancher. Donc on a un petit bâtiment ici. Je vais monter dans une petite minute pour vous montrer les dimensions du bâtiment, que je n'ai bien entendu pas calculé, mais que je vais essayer de deviner vite fait. Hop. Donc déjà on vire toute l'herbe, comme ça ce sera fait pour plus tard et on pourra poser le plancher. Bim 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 bim. Donc je sais également que certains d'entre vous se rapprochent soit du bac, soit du brevet, soit d'autres examens de fin d'année, et je tiens à vous souhaiter une très bonne chance à toutes et à tous, parce que c'est pas toujours facile. Et qu'il faut quand même un petit peu de courage pour passer ces examens de fin d'année. Donc, de côté, il va faire 2, 4, 6, 6 et 6, 12. Il va faire 16 de côté, de droite à gauche. Je vous mettrai les dimensions. Hein. Et de haut en bas, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14. Si je dis pas de bêtises. Alors, attendez que je recompte, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ouais c'est ça. 14 par 16 donc pour un petit bâtiment qui a une forme un petit peu particulière. Hein. Mais ça vous commencez à être un petit peu habitué avec moi, hein. Les bâtiments ont toujours une forme assez bizarre. Tout simplement parce que j'aime pas tellement faire des bâtiments tout cubiques. Je trouve que c'est... C'est pas terrible, terrible. Dans un monde plein de cubes, je trouve que c'est plus harmonieux des bâtiments avec des formes un petit peu arrondies. Donc c'est pour ça que je fais souvent un petit peu n'importe quoi. Par contre, je sais pas si la musique est un peu forte. Hop. Voilà, on va la mettre sur 1%. Comme ça, moi je l'entends bien dans le casque. Et peut-être que vous, vous l'entendez bien en dessous de ma voix. Je sais pas, je verrai au montage. En tout cas, comme ça, au moins, c'est sûr que vous m'entendez. Donc, comme d'habitude, bim, 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 bim. Hop, là on va faire le plancher et maintenant on va s'attaquer tout de suite à la structure même de la maison. Donc on va faire des bûches ici sur 3 de haut comme d'habitude. Ensuite on va venir en placer ici et ici dans ce coin là ainsi qu'au milieu. Tout simplement pour créer une certaine dimension sur notre bâtiment, comme d'habitude. Ça permet de voir un petit peu où on s'arrête et c'est plus harmonieux. Donc voilà, nos bûches sont placées. Ici, on va venir fermer ça. Bim. Là, on va mettre des fenêtres. On est obligé de les mettre en cube parce que vu que là, on a un angle. Sinon, ça marche pas. Hop, là. Bim. Est-ce que là, on tente la petite fenêtre? Non, on va plutôt la faire sur les côtés. Les fenêtres, bim, voilà, comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté, toc 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 toc, avec les fails qui vont bien entendu avec. Mais purée, voilà. Et donc là, on va fermer également tout ça, ainsi qu'ici, bim, voilà. Et là, on va faire le contour de la porte, normal. Et là, je pense que le plus adapté, c'est de faire deux fenêtres comme ça, avec des cubes au milieu pour séparer. Hop, voilà. Donc, je pense que c'est pas mal comme ça. Et comme ça, ça va nous permettre d'avoir à la fois une bonne luminosité et pas trop de fenêtres non plus. Donc, on va s'attaquer à la construction du toit. Dès que j'aurai posé cette base en bûche. Pour m'appuyer dessus. Comme d'habitude, hein, ça reste assez classique comme bâtiment. C'est pas de la grande innovation par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais ça reste quand même dans le style de la ville.
Donc voilà, je vais faire juste une petite avance rapide pour le toit, je vous reprends juste après. A tout de suite. Et voilà, le toit de notre bâtiment est maintenant terminé. On va pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne. Comme vous le voyez, il est quand même assez proche du toit du tribunal, hein, mais ça passe tout juste, tout juste. Tiens, d'ailleurs, la baraque est... Enfin, la baraque. Le bâtiment est un peu en forme de cœur, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça conviendra quand même. Donc, on va commencer par mettre une porte et virer celle qu'on a mise en trop. Et on va pouvoir s'attaquer à l'agencement intérieur. Donc à l'intérieur le toit ça va, il fait pas trop moche, hein. Il est même plutôt classe. Et ça va être un petit magasin d'électronique. Donc j'en entends déjà gueuler. Ah tu fais n'importe quoi, il n'y en a pas dans Minecraft de l'électronique. Eh ben regardez. Hop, non c'est pas ça. C'était ça, bim, et un clavier. Bim. Oh, bim, l'ordinateur. Voilà, on peut avoir un ordinateur portable. Par exemple, d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Est-ce que ça marcherait avec ça? Hop. Ça marche pas parce que le cadre est trop petit, mais sinon, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc voilà, on va faire là un petit étalage d'ordinateur portable en espérant avoir des trucs favorables et pas quatre fois la même chose. Je dis pas la même chose, pas la même chose. Non! Voilà, et voilà. Donc là, on a le rayon ordinateur portable. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Là, on va mettre, bim, les ail. Comment on pourrait appeler ça dans Minecraft? Les ail cubes. Hop, on va bien voir ce qu'on peut mettre, hein.
Donc là, évidemment, ça va être des machines un petit peu plus massives. Parce que dans Minecraft, on peut pas franchement faire des trucs tout petits. Si on veut faire des ordinateurs. Donc par exemple, évidemment. Hop, on met ça. On met notre écran. Et on met le clavier. Et on a notre petit ordinateur. Ça reste sympa, même si ça casse pas trois pattes à un canard. Ouais, on va en faire 4 comme ça. En inversant à chaque fois le sens pour que ce soit un petit peu plus sympa. Voilà, hop. Donc là, ça reste quand même assez classique comme, comme mise en. Merde, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est pas grave. Donc ça fait une petite mise en rayon un peu sympa comme ça. Même si ça reste quand même assez épais. Ça peut aller. Donc déjà non c'est bon j'ai pas fait de conneries. Là on va faire un petit comptoir pour payer hein, ça va être la caisse. Donc là boum caisse enregistreuse caisse. Voilà avec on va faire un petit truc comme ça avec où c'est ce truc là avec un lingot d'or. Ouais, un lingot d'or. Ça ira très bien. Et zut, je me suis gouré. C'était ça que je voulais. Voilà, donc avec le lingot d'or pour représenter le petit truc qui demande de payer. Donc, en général, sur la caisse, qu'est-ce que je mets comme plaque de pression? Ouais, je mets les plaques de pression en pierre. Voilà, comme ça. Avec ici, on va fermer comme ça. Et on va mettre une petite porte en barrière pour fermer tout ça. Bim. Voilà. Et là, on va essayer de faire un truc pour les Windows. Je sais très bien que j'oublie Linux, mais Linux est quelque chose qui est assez peu connu par les gens qui s'intéressent de loin à l'informatique. Donc, j'estime que c'est peut-être pas forcément nécessaire d'en mettre en magasin, surtout que ça m'étonnerait qu'on trouve des Linux en magasin. Je sais pas du tout, hein, je dis peut-être des conneries, mais en tout cas, je ne vais pas en mettre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des ordinateurs différents de ceux de l'autre côté? À part changer l'escalier, je vois pas grand-chose. Hein. Enfin, on peut aussi changer la plaque de pression. Hein. Oh, j'ai une idée. L'ordinateur pimp. Je suppose qu'il n'y a pas d'escalier en or. Dommage. On aurait pu faire l'escalier. Oh, en quartz. Voilà. Bim. Avec le clavier en or. T'as vu, je suis riche. Bim. Ah ouais, avec le quartz ça rend mieux. Je vais mettre le quartz de partout. Hop. Ça sera beaucoup mieux. Hop. Je me suis tellement dépêché que le tableau a même pas eu le temps de se barrer. Ça c'est pimp. Voilà. Donc là, on va garder à peu près la même structure, hein, parce que c'est ce qui convient le mieux pour ce magasin d'informatique. Sauf que on est des riches, on peut mettre des claviers en or ici. Et hop. Est-ce que... Non, ça m'embête de faire si peu quand même. Hop, donc là... Je suis sûr qu'on peut modifier ça d'une manière ou d'une autre. Mais j'aimerais bien savoir comment quand même. Déjà, on va agrémenter un petit peu le petit stand au fond. Hop. En mettant des trap doors. Hop, voilà. Comme ça, on a un petit stand un peu joli. Je suis sûr. Oh zut. Hop, toi éteins-toi. J'ai la Xbox juste à côté, je viens d'appuyer sur le bouton sans faire exprès. Donc, ouais, on peut le mettre partout, ça fera plus joli. Hop. Et ce sera un petit peu plus optimisé, j'ai envie de dire. Et voilà. Donc, un stand et l'autre. Voilà. Le problème, c'est qu'après, on perd un petit peu de place. Pour si on veut mettre d'autres trucs au sol, donc là par exemple, je pourrais plus rien poser. Hein.
De toute façon, c'est pas, je comptais pas poser énormément de trucs, hein. C'est surtout des lieux de passage. Et je vais peut-être même rajouter un deuxième petit comptoir pour le service après-vente. Non, ils feront ça à la même caisse, hein, et puis point barre. Donc voilà, ça m'a l'air à peu près terminé. À la limite, non, je vais quand même changer ça. Je vais laisser ça sur les deux autres stands, mais sur le stand des PC portables, on va modifier un petit peu le design pour que ça fasse un truc différent. Voilà, comme ça, on voit un peu plus les bûches et c'est un petit peu plus joli. Donc voilà, j'espère que ce petit bâtiment assez rapide vous aura plu. Ça me permet de faire un pas de plus vers la fin de la ville, hein, et bientôt vers la suivante. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour me le dire, hein. Ni n'oubliez. Voilà, je m'embrouille un petit peu. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit commentaire si vous avez d'autres idées pour l'aménagement du bâtiment, hein. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous très très bien. Et rendez-vous très très bientôt pour la suite, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, ciao! Now I know the only compass that I need, oh, is the one.